Yo tout le monde, épisode 10. Alors, on s'était laissé la dernière fois, j'avais pris Italie du Sud, j'avais réglé ce petit problème de sécession, c'était bien défendu aussi contre les Étrusques, alliance militaire. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait passer quelques tours, le temps de faire monter mes armées. Et je suis arrivé aux frontières Irpine. Donc, alors en passant, j'ai pris Posidonia, en plus qui m'apporte un pagus, de l'augmentation de technologies militaires à cheval. Donc là, on peut voir par exemple que je suis déjà en chevaux de niveau 2. Et là, je vais m'occuper un peu des Irpins. Voilà, donc ça se passe tout seul, forcément. J'ai une bonne armée ici, une très très bonne armée. Imperium prend maximum. Bon, bon, moi. Il n'y aura pas plus haut les gars. Voilà, on sera pas plus mal voir. Alors. Voilà, j'ai une armée là. J'en profite sur le passage. Là, dès qu'il y a un agent, une petite armée qui passe là-bas, là c'est des Romains par exemple. On se fait plaisir quoi. Hop. Là, putain, au principe. Hop. On dégoume. On a arrêté une armée là qui venait en bateau là pour attaquer Montyon. Même si au cas où j'ai commencé à enlever une petite. Oh bah attendez, je peux même finir de recruter voilà, les bretteurs Chardan qui coûtent cher, très cher, même à l'entretien. Hop, là on voit qu'il y a du monde, attention. Donc on se met en cadence rapide et. Je pense que si je fais comme ça, on devrait être pas trop mal. Oui, là. Là, on venait pour recruter des nobles archers, hein, forcément. En parlant de ça, mon armée, la noble archer, puis cavalerie, elle arrive. Hein. Alors, ami, facilement 10 ans, mais elle arrive. Wow. Ouf. 10 000 jours d'entraînement à l'arc, c'est un bon début. Effectivement, 30 ans, c'est un bon début. Bon, un peu moins. 25 ans, je sais pas. 2% de dégâts et plus 6. Ouais, et là, ça donne quoi ça? Plus de munitions. Oh, mais non. Allez, soyons fous. Regardez-moi ces archers qui ne sont même pas encore des archers. Alors ils sont en 3 certes. Qui sont même pas des archers royaux quoi. 24 munitions. Oh mais ils en ont pas beaucoup eux. Ah si c'est vrai, ils partaient avec 15 de base. Putain. Si on compare, ils ont 30 munitions eux. Putain. C'est débile. <villes. rire> Je peux faire un édit. D'argent. Tant qu'à faire. Hein. Les Helvètes. Intéressant. Néapolis, oui, voilà. Allez, hop, allié de Néapolis. Pourquoi? Bah, ils ont qu'une ville. Une ville sur une petite île perdue là. Ouh. Hein? Ah bah c'est fait depuis longtemps ça. Voilà les Carthaginois, ça fait un bail. Hein. Non, ils sont pas romains. Ah bah ils sont fait bouffer. C'est ballot. Oh, ils se font bouffer Rome, la vache. Regardez les Vodchi, hop, ils ont pris Fregel. Ah, ils sont fait libérer. Ah merde, bah tiens c'est une armée romaine ça. Allez hop, on assassinera le tour prochain, c'est qui ça?
Bon. Connais pas. Là. Je vais voir si je peux l'assassiner lui. Parfait. Hop, on fait un petit siège. Voilà. Je fais un petit coup de boost au cas où quand même. Eux, bah ils sont au chemin, ils sont au chemin. Ça fait des années qu'ils courent les pauvres. Putain, ils doivent être... ne plus essouffler là. C'est... Allez, on va aller à Iston. Là, on a l'armée qui est pleine, enfin qui est full recrute. Là, oui, c'est vrai. Il va falloir attendre un peu. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc si on fait tomber les Irpins, c'est plutôt bien. C'est qui, c'est Rome, ça? Ah non, c'est nous, putain, je suis con. Traité de paix, de la part des insurs, bah tout le jour, enfin tous les deux tours, ils font, on fait la paix, on fait la guerre, on fait la paix, on fait la guerre. Bon. Au bout d'un moment. Trésorerie est pas mal. Bon, voilà, bah j'ai des sous. Hein. 70 000. 110 000. Oh là là, mais mon gars, c'est pire en pire à chaque jour. Hein. Ah! Un agent Rome. Cet assassinat, ça fait du bien. Voilà, un plus. On a développé, on peut développer là la cavalerie au maximum, même si bon. J'ai toujours une sacrée dent contre cette cavalerie là. Hop, on rase tout ça. Parce que c'est pas joli, nous on préfère comme chez nous. Voilà. Voilà, on en tue encore et encore. D'accord, d'accord. Lui il va up tranquillement, mais bon, il a pas encore le niveau pour des assassinats. C'est bien à moi ça. Ouais, oui. Vous voyez, il manque encore un peu d'expérience. Hein. Ah d'accord. Bon. Bah allez-y les gars. Allez en eau profonde, je m'en fous, hein, personnellement. Si vous vous suicidez, c'est pas mon problème. Hop, on va remonter à Terra Nova. Et recruter les derniers bretteurs Chardan. C'était où? C'était un peu plus au sud. Voilà. Ici ça tombe tranquillement, hein. Le café quoi. On a très peu de pertes. J'arrive même pas à voir le pourcentage, c'est dire. Voilà, ma flotte là, elle va s'aventurer dans des territoires inconnus. Usure. Ah. Ah bah il commence à avoir des pertes là. Non mais bon, il y en a plus. Il y en a plus, il va être obligé de faire une sortie à un moment ou à un autre. Oui. Surtout très bientôt je reçois mes renforts, bah le temps d'après apparemment. Finir une partie à lui et l'autre partie à... Il y avait une armée romaine dans le coin là, qui traînait. Ah, on est d'accord. Ah, un patricien. Alors ça je déteste ça. Hop, putain, voilà. Je ne supporte pas ces saloperies. Assassinat. Et coucou. Alors. Mais ça en général, ça se passe pas très bien, mon gars. Hop. Résolution équilibrée. On tue les captifs. Dépêchez-vous.
Voilà. Là, il y aura encore fiston à prendre. Tout prochain. J'ai ma flotte qui est. On est pas trop mal là. On est vraiment pas mal du tout. Hein. Tarkina qui se pisse dessus, non. Plus de population. Ça m'intéresse. On va faire une enceinte sacrée, voilà. Alors j'en profite là pour passer sur toutes les provinces, voir si j'ai de la construction à faire. Oui. Voilà. Eux, bah ils abandonnent toujours pas. Hein. Bon, ça me fait un peu de perte, mais c'est pas très très grave. Et lui, ça fait beaucoup de pertes. C'est qui ça? Oh, coucou, bonjour. Ah, il est puissant celui-là. Hein. Il a du niveau, il est niveau 10. Hein. Mais bon. Ah, juste blessé. Ah. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a une belle armée là quand même. Hein. Il a une seule tête lui. Ouais, quoique c'est l'armée faible en fait. Il y a ça qui est bon là. Les Principes, il y a les Triari. D'autres Principes? Principes N6? Ah oui, d'accord. Bon, le reste c'est de la merde. Allez, Ah, les renforts. Les renforts. C'est parti. Les archers. Les archers. 1, 2, 3. Merde. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ce qui fait que là. On a une belle armée. Bon, il y a deux coursiers nuragiques qui se battent en duel là, les pauvres, ils sont un peu. Voilà. Allez, on va là le temps. 2. Et on finit le tour. Ouais, ah bah ça y est là, c'est pas trop tard. Ah, c'est pas trop tôt je veux dire. Enfin voilà, vous avez compris. Ah, il me manquait un petit tour. C'est pas joué à grand chose. Bon, les RP1 ils vont essayer de sortir là de leur truc là. Non, toujours pas, en plus tu me proposes moins, bah on va te faire mettre. Tu me proposes 100 000, allez, peut-être que j'y réfléchirai encore. Voilà, ils sortent. Ils sortent, bon, ils y perdent rien du tout. Voilà, mode équilibré. Pas de perte. On tue les captifs. Et on prend... Pas de suite, on prend leur capitale. On la rase, bien sûr. Mordine. Ah, oh, bah il était trop vieux, merde. C'est pas grave, ça. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il a pas pu se déplacer entièrement. Ah, ouais. Alors, bâtiment public, enceinte sacrée, bâtiment public, logement des artisans. C'est qui ça? Ouais, c'est une petite flotte. Ah, ouais. Comme ça. Ok, ça va. Ouais, ça va. Alors. Wow, plus 25% de chance de succès de tous les champions. Et des champions, bah, c'est pas mal. Hein. 25% de chance de se faire assassiner, ça aussi c'est bien. Clairement, c'est plutôt bien. On pourra faire ça. Là c'est qui? Ok. Je vais en envoyer un par là. Je vais me reposer un instant.
Là, j'aimerais bien avoir la vision sur ce qui se passe là-bas, en fait. Oh, y a rien du tout, allez, c'est bon. Donc, résolution automatique et revoir les repas. Ah bah non, pas en revoir les repas. J'ai pas eu de bête quelque part. Hein? Ah, j'arrive pas à cibler où est-ce qu'ils sont. J'ai pas fait gaffe. Ils sont au nord des Doniens, pourtant ils sont là. Ils sont... Ils doivent être quelque part dans le coin, là, par là. Et une de leur armée que je vois pas. Bon. C'est pas grave. On va faire un échange là. On va refaire un échange plutôt. On va faire ça. Voilà. Je vis pour servir mon peuple. Puis je redonne le reste des archers à. À mon armée, les bons géants. Ouais, ça devrait être bien. Eux, ils peuvent rien faire. Ouais, pas de soucis. Eux ils sont toujours je sais pas ce qu'ils ont foutu, moi ça me va. Si tu veux. On va faire un petit blocus de Tarquinia, tiens. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ok, ok. Ouf, ça c'est fort putain. 5 de zèle en menant une armée, la vache. Ah, il va être costaud celui-là. 5 de zèle. C'est énorme. Ah, bah là voilà son armée. Y'a qui dedans? Y'a personne. Tu parles d'une armée. Hein. Hop. Alors, donnez. Voilà. Ça, ça restera là. Et lui, il est tout neuf, on va dire. Et les Volchi, ouais, les Volchi. Comment je m'entends avec les Volchi? Ça passe. La réputation de votre peuple faire un accord commercial, ouais. Soyez donc le bienvenu et parlez comme militaire, pacte de non-agression, on donne tout ça. Voilà. Que soient les dieux, qu'ils bénissent vos sages paroles et notre accord en ce jour. J'avais une armée ici, voilà. Bah, je vais tout simplement leur dire. Débarquez là-bas les gars. Y'a qui là-dedans? Ah, y'a une armée complète. Eh bah écoute, on va pas le laisser passer. Coucou. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pris une ville de Latium quoi. Purée. Je me suis vraiment enfoncé loin là. Oups, on a vu un truc ici. Non, ça, ça me sert pas, c'est celui-là. Ok. Mes espions, faut qu'ils servent à quelque chose. Non, je peux rien faire. Y'a pas une petite armée qui traîne dans le coin là? Un petit quelque chose les gars, là, à mettre sous la dent. Purée, vous êtes pas drôle.
hein, ça, sinon celui-là. Bon, t'as au moins essayé. Voilà. Oh, on peut développer là, j'ai vu qu'on pouvait... Je pouvais qu'on pouvait améliorer les chevaux là. Yeah. Ok. Ok, ok. Bon, on va voir si les repas ils attaquent. Ils attaquent, ce serait bien qu'ils attaquent là. Sauf que je me débarrasse d'eux, bah ils ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ils sont où? Ils sont... Ah ouais! Il est comme ça lui. Ah d'accord, non mais ça me va. C'est bien, ça me va, c'est moins de pertes pour moi. Pas de soucis. Hop, adieu les repas. Ce fut un plaisir, je suppose. Peut-être. Là c'est pareil, ce fut un plaisir. Ah oui, mais non, mais c'est ça, regardez là, niveau armé. Ah. Non, celle-là. Regardez là, j'ai des meilleures cavaleries. Allez hop, putain. J'avais zappé en fait. Regardez, niveau cavalerie 1, 2, 3. Ah, les cavaliers sardes, c'est moins bon que les cavaliers chardanes. Hop, tour prochain, on sera là-bas, on sera bien. T'as été. Hop, on développe pépère. Voilà, on sera bien. Mes espions, je les ai utilisés. Non. Eh ben, on les utilise, hein. Il faut. Oh, il fait un petit prend un siège, lui. Ah, yes. Oh. Intéressant. Bon, ça va pas marcher. J'ai... Là, une petite guerrière en max. Ah bah, c'est celle-là de tout à l'heure. Celle de tout à l'heure, là, qui m'avait déjà un peu cassé les pieds. Oh, ils ont du polybolos. Ouais. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a exterminé les Irpins, c'est bien. C'était le petit objectif sympa. Prochain objectif, bah on monte au nord, hein, toujours au nord. Sachant qu'il nous manque la Tuski et Rome. Et Emily. Mais ça, c'est chiant. Ça, je vais devoir, trahir un pote. Ça c'est chiant. A voir. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.